et bienvenue dans votre magazine Parabole. Pendant deux numéros, je vous propose de prendre de la hauteur et de vivre un petit moment avec les frères Capucins qui sont installés juste derrière moi. C'est Notre-Dame de Duzenbach et c'est sur les hauteurs de Ribeauvillé. Pour y monter, nous avons suivi le pèlerinage des ménestriers. Ça a lieu chaque année et ce, depuis le Moyen-Âge. On y va ? Il est encore tôt ce dimanche matin et l'ambiance est aux retrouvailles. Pourtant, ça ne fait pas longtemps qu'ils se sont séparés. La semaine dernière, tout ce petit monde a fait la fête dans les rues de Ribeauvillé à l'occasion du Pfifferteuil et forcément, ça crée des liens. Ce matin, ils vont monter ensemble au sanctuaire du Duzenbach, un petit pèlerinage que chacun fait selon ses convictions. C'est un petit peu en hommage à cette journée fantastique du Pfifferteig avec le cortège et tous les bénévoles qui ont participé à la construction des chars, qui ont fait l'encadrement, la sécurité, et ça fait des centaines de personnes. Je vous avoue que nous on ne fait pas trop ça pour le pèlerinage spécialement, c'est plus vraiment pour se retrouver. Mais après voilà, chacun le fait pour ce qu'il a envie. Ce pèlerinage du Duzenbach existe depuis le XIIIe siècle. Il est dédié à la Vierge. Elle y aurait accompli de nombreux miracles. Mais je vais demander surtout pour ma fille qui est très malade, pour qu'elle intervienne pour l'aider dans sa maladie, et puis aussi pour mon épouse qui connaît aussi des problèmes de santé. Comme tous les ans, les pèlerins se mettent en route en musique. À l'origine, ce pèlerinage se faisait le jour du Pfifferteuil, une sorte de fête de la musique avant l'heure. Cette tradition remonte au Moyen-Âge. En ce temps-là, les musiciens n'avaient pas de statut social, mais les seigneurs de Ribeauvillé, sûrement grands amateurs de fêtes, ont décidé de les prendre sous leur protection. En échange, une fois par an, les ménestriers d'Alsace devaient monter au Duzenbach pour communier et se confesser. C'est comme ça que le sanctuaire a acquis une petite notoriété, cher aux habitants de Ribeauvillé. Nos parents, ça je me souviens, après la guerre, ils montaient tous les dimanches au Duzenbach, hein, avec les poussettes et puis les landaus. Tout ça, ça reste quand même. Hein, ouais. Et le chemin de croix, c'est un des plus beaux d'Alsace. Hein. Si aujourd'hui, le Duzenbach attire de nombreux visiteurs, il n'est pas question pour autant d'en faire un haut lieu touristique du secteur. On ne voudrait certainement pas en faire une promotion comme on en fait du Mont-Saint-Odile ou du Mont-Saint-Michel ou des choses de ce genre. Ce n'est pas la vocation. Maintenant, si les gens viennent venir en masse ici, tant mieux, ils seront accueillis. Mais on ne fera pas la promotion dans ce sens-là. Mais aujourd'hui, c'est bien la foule des grands jours. Après une demi-heure de marche, les pèlerins arrivent au sanctuaire. Ils assistent à une messe présidée par les hôtes du lieu, une communauté de capucins. Pendant que les uns communient au sang du Christ, nous sommes les drosophiles. Les autres partagent le fruit de la vigne dans une toute autre ambiance. Ces pèlerins-là font partie des différentes associations participant au Pfifferteuil. Plutôt jeunes, ils ne sont pas montés pour la messe. On laisse passer les grands-parents pour l'aspect religieux. On n'y est plus trop, on y pense, mais un peu moins. Voilà. Et donc vous êtes là pour quoi ? Moi, je suis là pour passer un bon moment avec des gens que j'aime, et voilà. On fait partie de cette tradition, enfin voilà. Et puis on continue à monter ici, quoi. Voilà, sans participer à la messe. Cet aspect des choses est loin d'inquiéter les frères capucins qui s'activent à mettre de l'ambiance. Il y a certains, on a baptisé les enfants et puis on leur a demandé s'ils ne voulaient pas être bénévoles. Donc il y a deux, trois couples qui commencent à accrocher et qui ramènent aussi d'autres. Le touriste d'un jour, c'est le pèlerin du demain. Tout est dans les mains du Seigneur. La communauté des frères capucins a encore un an à tenir pour voir si leur prière a été exaucée. Eh bien, si vous voulez, on y retournera l'année prochaine. Comme je vous le disais en début de ce magazine, on va voir maintenant comment vivent ces frères capucins le reste de l'année. Et on verra ça sur deux numéros. Pour cela, une équipe de Parabole les a suivis sur plusieurs jours. Et je vous propose de découvrir tout ça en immersion. Il n'est pas encore 6 heures du matin et Joseph, comme tous les jours,
prépare la chapelle pour ses frères. Alors on est dans la chapelle, la petite chapelle du pèlerinage. Il y a la grande chapelle. Ici, les frères se retrouvent dans le chœur 4 fois par jour, en tout cas pour les offices des heures. Donc le matin à 6h30 pour l'office des lectures, c'est le premier office. Aujourd'hui, Nicolas, 19 ans, arrive le premier. Il n'est pas religieux, mais vit quelques jours avec cette communauté de 3 frères et 2 novices, c'est-à-dire 2 hommes se préparant à la vie religieuse. Ils sont ici, à l'abbaye de Notre-Dame de Duesenbach, depuis 1 an seulement, après la fermeture d'une communauté à Strasbourg, dans le quartier de Königshofen. Königshofen, on l'a quitté, c'est vrai. C'est une page qui se tourne, il ne faut pas avoir peur de tourner les pages. Après, je le dis aujourd'hui, peut-être dans 20 ans, je ne dirai pas la même chose. Hein. On prend de l'âge, donc on est un peu plus nostalgique. Mais je crois que le lieu Königshofen, il faut être réaliste. On a dit tout à l'heure que c'est grand ici, mais on était dans un bâtiment pour 33 frères et on n'était plus que 6 frères. Après 45 minutes de silence complet, les langues se délient. Tu pourras prendre calmement ton petit déjeuner. Nicolas s'interroge sur son avenir. On dit qu'il est en discernement vocationnel. Il cherche des réponses auprès des frères. Être avec des frères, voilà, ça me cadre ma journée et ça me donne un contexte, ça me donne un environnement propice pour ma propre prière, ma relation à Dieu. Bien que frère Joseph soit le recteur et le gardien de la communauté, il va s'adonner à une activité à laquelle on ne s'attend pas. Je pense que les gens ne s'imaginent pas qu'on fasse ça, mais ça fait partie de la vie. Je pense que, voilà, comme c'est une vie de famille et de frères, c'est-à-dire chacun un peu des tâches. Moi, j'ai le tâche de l'hôtellerie, donc de faire le repassage. D'autres ont le tâche de linge communautaire. Voilà. Après, je pense que les images qu'on a parfois du frère ou du prêtre sont un peu des images fausses, c'est-à-dire qu'on a des bonnes pour le faire. On pourrait avoir des bénévoles, mais je pense que à nous aussi de faire ce que les gens font, eux, habituellement chez eux. On vient tous d'une famille, donc on a peut-être plus nos mères pour le faire, mais on le fait. Voilà, je pense que ça fait partie aussi de cette simplicité de vie qui est être capucin. Voilà, c'est une simplicité de vie. Être simple, c'est dans les simples gestes de chaque jour, le quotidien. La simplicité, la fraternité et la pauvreté sont les maîtres mots des Capucins, religieux de l'ordre de Saint-François d'Assise, dont les frères de Duesenbach font partie. Moi, ce qui m'a plu beaucoup, comme il y a plusieurs branches masculines chez les Capucins, c'est la simplicité, c'est-à-dire le réel, la réalité, le concret de la vie. Moi, ça m'avait marqué comme ayant fait ce qu'on appelle des stages en vie religieuse. J'ai fait 1 semaine chez les frères franciscains, 1 semaine chez les capucins. Et ce qui m'a étonné, c'est que dans ma première semaine, on ne m'a pas dit chez les franciscains, chez les capucins, un frère âgé de 100 ans même, qui me dit « D'où viens-tu ?» Voilà, il m'a pris dans ma réalité et pas tout de suite « Tu pourrais faire ça chez nous ?» Vraiment pas. C'est-à-dire, il m'a pris avec ce que j'étais. Et puis, en fin de compte, de faire 1 semaine, j'ai fait 2 semaines chez eux. Frère Dominique, comme frère Joseph,
était attaché à la communauté capucine de Strasbourg. Moi, je suis... J'ai vécu dans beaucoup, dans plusieurs maisons qui ont fermé finalement successivement. Personnellement, je ne suis pas un homme attaché au mur, mais attaché, comme je viens de le dire, à la vie. Si c'est rester tout seul pour tenir des murs, ça n'a pas de sens. Si c'est quitter des murs pour vivre du charisme de Saint François à plusieurs frères, le sens l'emporte et je vais vers ce qui donne sens à ma vie, qui pousse ma vie, qui la porte. Mais les murs, ce n'est jamais qu'un moyen. Deux tartes aux pommes, parce que lui, il va faire deux au mépris. Les Capucins ont animé les murs de cette abbaye durant un siècle. Nous sommes partis en 2009 parce qu'il n'y avait plus de frères en possibilité de venir sur le lieu et qu'une petite dizaine d'années après, l'archevêque a cherché d'avoir des différentes communautés religieuses. On n'en a pas trouvé et les Capucins sont revenus. N'est-ce pas un petit clin d'œil de la Vierge Marie à ses frères capucins? Ils étaient de la province de Rhénano-Westphalie, ils étaient de la province de Strasbourg, maintenant de la province de France. N'est-ce pas un clin d'œil de la Vierge du Dusenbach aux frères capucins à travers le monde, de leur dire « Je vous veux ici, auprès de moi, au Dusenbach ». Durant l'absence des frères, le lieu était géré par le père Marc Elfer. De tout temps, Frédéric est resté bénévole et fidèle à Notre-Dame de Dusenbach. Alors depuis que les Capucins sont revenus, en fait, il y a de nouveau une présence quotidienne et donc des célébrations quotidiennes, ce qui permet, comme aujourd'hui, un soir de semaine, de venir, de pouvoir assister à une Eucharistie alors que... Avant, quand c'était Père Marc, c'était uniquement le dimanche, quoi. Donc voilà, déjà ça, et ça permet aussi d'avoir un autre regard sur le lieu, quoi. Je veux dire, moi je retrouve un petit peu, personnellement, justement, comme j'ai connu depuis toujours le Dusenbach, puisque je suis de Ribeauvillé, eh bien je retrouve cette ambiance de quand j'étais petite, quoi, je veux dire, avec la présence des Capucins. Voilà, c'est la fin de ce premier volet consacré à la vie des Capucins ici à Notre-Dame de Dusenbach. Je vous donne rendez-vous pour la suite dans notre prochain magazine et je vous dis à bientôt.